Quelques jours après, une flèche wallonne disputée sous le soleil et des conditions climatiques printanières, eh bien, la 66e édition de Liège-Bastogne-Liège, le 24 avril 1980, va se dérouler dans des conditions incroyablement dantesques. 244 km au menu autour de Liège, et dès le départ, la neige et des températures très froides. Après une heure de course, déjà 60 abandons sur 174 coureurs au départ, notamment des coureurs comme Baron Kelly, Bernaudot, Saroni et Lucien Vanni. À l'avant de la course, deux coureurs se sont détachés, Rudy Pevenage et Ludo Peters. Ce duo va obtenir jusqu'à 2 minutes 14 d'avance sur la côte de Stokeu, tandis que les forts pourcentages de cette montée provoquent une montée en zigzag des deux hommes de tête. Derrière, Bernard Hinault n'a plus que Maurice Le Guyou pour le soutenir. Mais le coureur français va sortir accompagné de Contini et de Lüberbing derrière le duo de tête. La jonction va être faite au moment de la montée de la haute levée, 3600 mètres à 5,6%, il y a également Björn Thurau qui a explosé. Le coureur allemand était le tenant du titre. Après la chute malencontreuse de Henny Kuiper, eh bien à 80 km de l'arrivée, Bernard Hinault, le leader de la formation Renault Gitane, quatrième de Paris-Roubaix quelques jours auparavant, a connu un début de saison difficile avec une bronchite sur Gent-Wevelgem et un mal de genou sur Paris-Nice, eh bien le champion français va partir tout seul. Derrière, après que le groupe de chasse se soit constitué, eh bien le blaireau va changer de vélo sur la redoute, tandis que Henny Kuiper et Ronny Klass, un néo-pro vainqueur de la Flèche Ardennaise en 78, vont sortir tous les deux en chasse derrière le français. Malheureusement pour eux, Bernard Hinault va s'imposer largement à Liège et décrocher une deuxième doyenne après 1977. Derrière, à 9 minutes et 24 secondes, le néerlandais Henny Kuiper de la formation Peugeot devance Ronny Klass de la Hirschberg, tandis qu'à 10 minutes et 34 secondes pour la quatrième place, Fons de Wolf, deuxième de Tirreno, devance Pierre Bazot et Ludo Peters, alors que vous voyez ce top 10 a signalé que seulement 21 coureurs ont rejoint l'arrivée de cette édition de Neige-Bastogne-Neige. Ciao tout le monde.